Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans notre séance de lecture, nous allons voir un nouveau documentaire sur un nouvel animal étrange qui s'appelle une étoile de mer. Et par la suite, nous allons découvrir les caractéristiques de cet animal étrange. Allez, soyez attentifs et suivez avec moi. Comme d'habitude, un poster de découverte. Alors, qui peut me dire ce que vous voyez? Donc, sur la page 80, nous voyons un animal étrange qui s'appelle une étoile de mer, qui est entourée des textes descriptifs des différentes parties de cet animal. Et sur la page 81, nous avons trois photographies et un dessin. Dans la première, en haut à gauche, nous avons une description qui nous montre le centre de l'étoile et qu'elle n'est pas dans un milieu naturel. La deuxième en bas à gauche montre un gros plan d'une partie de l'étoile. Et la troisième en haut à droite montre l'étoile dans son milieu naturel. Et pour le dessin, nous avons un dessin d'une étoile accompagné des oursins et des concombres. Et nous avons un petit descriptif qui nous donne plus d'informations sur cette étoile et sur les oursins et les concombres. Alors, qui peut me dire quelle est l'origine de ce texte? Exactement. Ce texte est un extrait de revue documentaire. Maintenant, je vais lire les caractéristiques de cet animal étrange. Suivez avec moi, je vais lire dans le sens de l'horloge. Une étoile de mer. L'étoile de mer n'a pas de tête ni de pattes. Son corps a la forme d'une étoile. L'étoile de mer est couverte de petites pointes dures. C'est une protection contre ceux qui voudraient la manger. L'étoile de mer est remplie d'eau qui entre et sort par ici. Cet endroit s'appelle le Madréporite. L'étoile de mer peut bouger ses bras, mais elle ne s'en sert pas pour avancer. Au bout de chaque bras, l'étoile de mer a un mini-œil qu'on appelle un ocelle. Il détecte d'où vient la lumière. De ce côté, c'est son dos. En fait, elle est posée sur son ventre. L'étoile de mer a cinq bras. Maintenant, je vais passer à l'explication des mots qui me semblent un peu difficiles pour certains. Nous avons un ocelle. Donc, c'est quoi un ocelle? C'est un mini-œil qui détecte d'où vient la lumière. Un madréporite. Le madréporite, c'est l'endroit de l'étoile de mer par où entre et sort de l'eau. Maintenant, passons aux questions de compréhension. Alors, pourquoi appelle-t-on cet animal une étoile de mer? Donc, on appelle cet animal une étoile de mer car son corps a la forme d'une étoile et il vit dans la mer. Que se passe-t-il si l'étoile de mer se fait couper un bras? Si une étoile de mer se fait couper un bras, il repousse. Quel côté de l'étoile de mer vois-tu sur la page 80. Donc sur la page 80, on voit son dos. À quoi servent les petites pointes sur son dos? Donc les petites pointes sur son dos sont une protection contre ceux qui voudraient la manger. Et enfin, où se trouvent ses yeux? Ses yeux se situent au bout de chaque bras. Donc, notre séance d'aujourd'hui tient à sa fin. Dans les prochaines séances de lecture, nous allons voir plus de détails sur cet animal étrange. À très bientôt!